Salut mes petites araignées toutes poilues. Ah, vous aimez pas les araignées, les gars? Tu veux me dire que cette chose, t'aime pas, mais c'est magnifique! Ça me fait bander! C'est vraiment de toute beauté, les araignées! Tu sais qu'en vrai, les araignées, c'est hyper gentil en vrai, hein. À part si t'as celle-là devant toi, je pense que tu peux te poser des questions. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. On doit jouer avec les opérateurs de la première saison. Même pas de la première saison, de la première année. Oups là, boum bam boum bim! Attention! D'accord, tu cherches tes problèmes. J'ai trouvé le problème. Vous savez ce que c'est la différence entre Sledge et un œuf? Mais y'a pas de différence. Ils ont tous les deux une tête de gland. C'est ce que je me posais comme question, les gars. Est-ce que quand on est chauve, quand on va, je sais pas, à la plage ou à la piscine, est-ce qu'on doit se mettre de la crème solaire sur le crâne? C'est une vraie question que je vous pose, hein. Enfin, je me pose quand même sacrément des questions étrangement, hein. Non! À force de parler des chauves, etc., ben, on se retrouve à perdre 2-0, tu vois. Je raconte comme qui dirait un petit peu trop ma vie. Enfin, surtout la vie des chauves. Quoi, je suis pas dessus? Non? Sexy! Oh les gars, je suis le roi des gags. Je vous dis qu'on prend les opérateurs de la première année, et qu'est-ce que je fais, moi? Je prends Ella. J'ai de la pisse d'âne dans le crâne, je suis désolé. De toute façon, on prend 3-0, ça va pas tarder à finir, hein. À force de parler et de faire des débats sur les crèmes solaires sur les chauves, là, on perd 3-0. Non, mais moi, il y a un truc aussi que je comprends pas. Pourquoi nous, les mecs, vers 45 ans, tu sais, quand on commence à avoir un gros bide, qu'on commence à avoir les cheveux blancs, enfin le peu de cheveux qui nous reste, pourquoi est-ce qu'à 45 ans, on a une calvitie? Et pourquoi les femmes, elles ont pas de calvitie? Hein, tu m'expliques ça? Tu vois, on dit que les hommes et les femmes, ils sont égaux. Eh ben, c'est pas vrai. Nous, on a plus de cheveux. Et je demande une justice pour nos cheveux. Comment parler de calvitie sur une vidéo Rainbow Six? C'est la position de la cat, hein. C'est la position de la cat, hein. C'est chaud, l'astico? Oh oui, petit astico. Allez, on commence donc sur une nouvelle partie. Parce que sur l'ancienne, on s'est fait péter le fion. On a le droit de le dire, hein. Parfois, se faire péter le fion, ça remet les idées en place. Enfin, ça remet surtout le fion en place, mais ça remet quelque chose en place. Et c'est quelque chose de positif. Mais ça fait mal. Showers. My accent English is very so good. I speak English! Ta gueule! Attention, messieurs, dames. Les adversaires commencent à être dans la place. Allez, salut! DCD, what you do? Castle, tu m'as bloqué! Si je meurs, j'insulte ta maman! Castle, je t'aime, mais tu es mort. Ça, I'm very true, sorry. Because of course. Because I love you, my très cher subscriber. One tap. Amaru gang. Alors comme ça, on frappe aux portes et on dit pas bonjour. Vous êtes pas très poli. Vous êtes plutôt des polissons. C'est ce qu'on appelle tirer de partout, sauf sur l'adversaire. T'es mort. Et là, je l'ai tué. Hey. Un problème? Manier ses outils? Faites appel à SOS Ibana? What the fuck? Le seul être humain qui mange les murs. À défaut de mon... Oh non, c'est quoi? Mais je voulais faire une blague, laisse-moi tranquille. J'aime lécher le cul des chameaux. Iaiao. Tu comprends ça, bonne du futur au montage. T'as de beaux yeux, tu sais. Ça me fait bander. Est-ce que pour 50€, les gars, vous buvez cette eau dégueulasse? A few moments later. À terre. Amaru gang. One shot. Ah non. One shot. Eh hey mec, regarde derrière toi. Oh. Eh ben ça je préfère qu'il y a 3-0, tu vois. Ça aussi j'apprécie. À moitié mais j'apprécie. Si je meurs les mecs. Laisse-moi finir, attends. Eh ben je lèche le cul d'un taureau. Ça c'était gratuit. One tap. Mais on s'en fout. Coucou. Eh hey mec, regarde derrière toi. Sympathique la vue. Raconte pas ta vie. Je veux pas lécher le cul d'un taureau. Ia ia oh. Iha. Bah moi je veux lécher les couilles du taureau. Ok. Je suis ton père. Bonjour, c'est Montagne. Vous savez l'opérateur que je ne sais pas jouer? Avec moi c'est pas Montagne, moi c'est Colline. C'est une petite colline, toute petite. Avec les gens c'est le grand Montagne. Très très puissant, très très fort. Très très strong. Salut. À tous les coups il y a un frost en dessous. Ah c'est dommage. Nanana. Je ne sais pas jouer Montagne. Je vous baisse tous. Je pense que ça se voit. On passe le cœur par le trou de balle. Qui a dit que je savais pas jouer Montagne? Qui est l'enculé qui a dit que je savais pas jouer Montagne? Je crois que c'était moi, mais j'ai dû me tromper en fait, tu vois. L'erreur est humaine après tout. Oui. On a aussi Madame Twitch, hein. La première année, vous connaissez les bails. Les meilleurs opérateurs, de toute façon, c'est ceux de la première année, hein. Je préfère vous le dire direct. Lui, c'est le pire. Elle, c'est la meilleure. Tu vois les extrêmes des personnages? Vous sentez le mec qui va me rusher, là? Sentez-le bien. Oh, tu vois, c'est un truc de ouf. Encore ce mec de merde. Je peux plus le voir, cet opérateur. Allez, ma petite colline. Ça, c'est des beaux one-tap. On sait pas les mettre aux adversaires, les one-tap. Mais c'est pas grave, on les met aux caméras, les gars. Une légende urbaine, moi, je vous le dis. Une sacrée légende. Mes chers compatriotes, mange une compote. Est-ce que tu la sens venir, la dinguerie? Pas one-tap. What the fuck? Wesh, calme-toi. On a pas élevé les cochons ensemble. Mon petit lésion.
Mange ton coup de pare-brise. Bon appétit. Maestro Kimpembe, il est mort. Il est mort. Les pauvres, ils ont rien demandé. Ça a l'air d'être une famille heureuse en vrai. Pourquoi se foutre de leur gueule? Vous le voyez comme moi ici, mais il est rentré en fait. Oui, il était rentré, le sacripant. Je pense qu'on va péter les fesses de glace. J'ai tenté le beau jeu avec le one tap, mais quand on est nul, on fait pas de one tap. Ouh! Salut, c'est Pascal. What? Qui m'a... Mais non! Mais moi, ça passe jamais, l'énoscope! Regarde, il tire n'importe où, ça me met une tête, regarde! Et j'espère que depuis tout à l'heure, vous suivez, en fait, les gars. Hein. Je prends que les opérateurs de la première année. C'est le but de la vidéo. Pour vous montrer, en fait, que c'est les meilleurs agents, bah, en fait, du jeu, tout simplement. T'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de moins. T'as juste besoin d'eux. Ils sont très puissants. C'est tout ce que t'as besoin de savoir. Attends, c'est ouvert, là. Ça veut dire qu'il est parti au couloir bleu. Logiquement, je vais arriver sur ses traces de pas. Ah non, c'est plutôt lui qui est sur mes traces de pas. Je m'en vais! Alors, on n'a pas reniflé mes pieds comme il faut? IQ! Je vais te péter le cul. Le quoi? Le cul! C'est pas très gentil de me faire ça, hein? Attention, j'arrive, la compagnie! J'ai peur. What? Mais il y avait un trou, d'accord. Regarde notre compo. 4 opérateurs, issus de la première année. L'intrus, c'est Mira. What? Quoi? What? Dis-moi pas que j'ai pris un coup de cut. Ma vie, c'est vraiment de la merde. Et c'est parti pour les prolongations. Yeah, yeah. Eh ben voilà, c'était pas compliqué. Enfin, pas trop. Wata, Jacalito, Dula Bendo. Oulala, c'est une mauvaise idée de faire ce que je fais là, de faire le verre de terre. C'est pas bon du tout. Allez, on se rattrape, les gars, on se rattrape. Vas-y, rush-moi, Jacal. Vas-y. Moi aussi, je peux te traquer, mon pote. Qu'est-ce que tu crois? Mais c'est un peu de la merde, mon truc, comparé à toi. Je l'avoue, c'est vrai. Quelle belle vue, j'apprécie. C'est le moment de gagner, les amis. Et à un moment donné, faut sortir les doigts du cul. Et on va les mettre dans le cul de lésion. Eh bah putain, si c'était pas une tête, ça. Ça devait être la rotule, je sais pas. Qu'est-ce que tu voulais me faire, toi, mon pote? Ok, on a le site, les gars, c'est plutôt une bonne chose. Et là, je te bloque. Tu fais comment, Valkyrie? Eh, salut! Je savais que j'aurais dû fermer ma gueule. Ah, oh merde, je suis dans la barba merde. Tu l'as, petite antilope? Quelle belle victoire. Avec cette magnifique équipe. À tes souhaits! Vous savez, une petite anecdote... Anecdote? Ouais, je crois que c'est anecdote qu'on dit. Oula, ça y est, si je parle plus le français, ça va pas le faire. Fuse, c'est un opérateur vraiment que j'adore. Il sera en 2 points de vitesse, je le jouerai tout le temps. Mais je vous parle très sérieusement, les mecs, hein. Aïe, ça pique! Je me suis mis dans une situation assez compliquée, les amis, hein. Ah oui, très compliqué. Ouais, j'en dirais une bite. Glaz aussi également. En fait, les opérateurs russes, je les aime bien. Le Spetsnaz, ils sont vraiment très puissants. Et je me suis encore mis dans une situation compliquée. Et l'autre, il pose son castle quand il faut pas. Putain, ZB. C'est qui m'a mis des balles, l'allié, là? C'est toi. Est-ce que j'ai fait un kill dans cette partie? Franchement, la question, elle pourrait se poser, là. Sa peau, faut que je me mette un suppo dans le cul pour faire des kills ou pas? Non, mais je vous jure, là, c'est quoi cette partie pourrie? C'est la daronne à gridlock, les gars. Wesh, mais putain! Mais toujours dans les coins! Ils ont pas de vie! Dégage, toi, dégage! Je suis énervé déjà de pas faire de kill, là. Reste-moi tranquille, je peux te le dire. Sinon, je pourrais devenir très méchant. Non, c'est pas faux, je suis très gentil. Je suis doux comme un agneau. Doux comme une couille rasée. Hein, quoi? Il y a Thermite qui est passé par là. Si vous voulez mon avis, ça sent pas très bon. Si, ça sent assez bon, j'aime bien. Oh oui! Aïe! Ouille! Mes couilles! Blade pute sauvage à l'horizon. C'est dur de tuer quand même, hein? Putain! What the fuck? Comme tout à l'heure! C'est un truc de malade! Oh oh oh! C'est scandaleux ce qui m'arrive! Je suis le seul trou de balle qui me prend des coups de cut à travers les barricades quand même. Et ne me dites pas le contraire parce que je vous lâche le requin sinon. Oh, j'ai loupé H. Je sais pas si c'est ici le C4 là pour les tuer. Ah bah apparemment si. J'aurais appris un truc tout seul. Je sais pas pourquoi mon requin il fait des bruits de zombies, mais apparemment c'est comme ça. Ouais! Et ça plante, eh, fou, la fou furieux, c'est où que ça plante comme ça? Y'a rien qui va. Regarde-le lui. Et lui, je crois que c'est le pire. Que serait cette vidéo sans Madame IQ? Eh bien, cette vidéo serait de la caca te doigt. Mais Balou, ta vidéo c'est de la merde! Ça c'est pas très gentil les copains, vraiment pas. Et pour la peine, je vais me venger sur les adversaires. Oh attends, caméra, 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 chouin, chouin! Est-ce qu'il y a encore des chouins qui veulent venir? Chouin, chouin, chouin! Attends, je rêve ou il est tombé à la trappe? Monsieur Lésion, faut toujours être poli quand même, même si t'aimes pas les... What? 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 Après, les opérateurs de la première année, il y en a pas non plus, tu vois, 36 000. Ce qui est complètement logique étant donné que c'était les premiers opérateurs du jeu. L'arme de thermite, qu'est-ce qu'elle est puissante, les mecs! Oh, les lésions, j'en peux plus de ce truc, je vous jure, j'en peux plus. Bon, malheureusement, j'aurais pas pu jouer avec tous les opérateurs, c'est triste, hein, mais j'ai envie de vous dire que c'est la triste réalité, c'est la vie. Elle me rend une petite visite ici, oui! Putain, j'ai eu de la chance, mon petit monsieur, là, qu'est-ce qui s'est passé par ici? Est-ce qu'on a eu un alpha pack à 46%? Eh bien, non, je sais pas ce qui se passe en ce moment avec mes alpha packs, mais je suis vraiment. Waouh! Ciao, les gars!